Nous saluons la presse, parler télévisé. Je dis à nous-mêmes ensemble, organisation SAYO, qui c'est BOD, Bloc de l'évolution démocratique, MOVID, Parlement populaire, APA. Je dis à nous-mêmes, nous constater 12 septembre, nous t'ai annoncé une grosse manifestation en dedans pays. À mes peuples là, t'es répondu présent ensemble avec nous. Nous disons peuple haïtien, merci. 24 septembre encore, nous lançons une manifestation en dedans pays. Peuple là répondu présent. Mais je dis à nous-mêmes, au niveau des blocs opposition ensemble avec toute organisation de base, nous constatons nous à partir de décembre qui entre là, à mes un parachute qui fait en dedans mouvement. Nous ne connaissons pas pour qui ça. Comme étant donné que M. Jovenel Moïse, comme qu'il peut en dedans de palais national, il dit qu'il y a des gens de tous côtés. Mais je dis, ya, nous ne connaissons pas. Mais peuple haïtien, là nous gardons nous, mouvement parachuté. Et en décembre, nous lançons un mouvement en dedans de pays. Et mardi, qui c'est 9 et janvier, nous lançons le Pétionville. Mais je dis, ya, peuple haïtien répond présent. Nous disons, peuple haïtien, merci beaucoup. Mais je dis à nous-mêmes, l'organisation de base, nous disons, je dis à nous ensemble des gens qui prennent position pour parler la non-opposition. Peuple haïtien, pas faire confiance. Je dis à nous-mêmes, l'organisation de base, c'est nous-mêmes qui pour défendre tête nous. C'est nous-mêmes, ensemble, peuple haïtien, qui pour lever campé en dedans pays. Mais je dis à nous, disons, peuple haïtien, mouvement du pape Capé, n'a continué jusqu'au bout en dedans pays pour nous faire bataille là en dedans pays. Attendez, ah ouais, c'est calendrier que nous gagnons journée aujourd'hui. Le 14, nous avons un gros rassemblement de tous les militants qui sont à côté de sortir dans 10 départements pour nous commencer à lancer bataille là qui va avancer. Le 16, nous avons un gros sit-in devant le Parlement haïtien. Pour nous dire, avec 10 sénateurs de facto qui ont dans le Parlement, que le mandat fini, ils ont laissé le président prendre un piège qui fait une prolongation. Allongement, ça n'est pas bon, parce qu'il n'y a aucune loi en la Constitution qui bat le président de la République provision légale pour faire allonge de 10 sénateurs. Pour nous-mêmes, 10 sénateurs, c'est 10 sénateurs de facto. Et nous-mêmes, tout. Si c'est ça, c'est pour nous faire contre corruption et contre rapport, côté que monsieur Pavlé penché sous rapport. Non, c'est ça. Qui donc, c'est ça, important pour tout haïtien citoyen engagé, rendez-vous, c'est devant Parlement. Et deuxième rendez-vous que nous avons encore, c'est le 22. Parce que c'est nous-mêmes qui commençons à lancer mobilisation et c'est avec nous-mêmes encore, nous avons continué. Le 22, ouais par ouais. Gros manifestation a commencé dans le cœur de Pétionville, la place de Salino et la Trier. Si vous pas levé campé, la Tibonite, au Cap, au Caï, parce que c'est une grande mobilisation sur tout territoire qui va commencer à partir de 22. Ouais, pas ouais. Et bien ici, hein, mot de là, c'est le 22 janvier dans Port-au-Prince. Avec l'ordi et différents villes provinciaux pour que nous lancions Coucou Rouge derrière le gouvernement en place là, spécialement Moïse Jovenel qui s'est inculpé en débat national qui va venir en sérieux pour nous. Merci beaucoup. Conférence de presse matin, hein? C'est la première sortie unitaire du secteur démocratique et populaire pour l'année 2018. Et nous venons présenter bah la presse, bah la nation, bah le peuple haïtien. Hein. Ça nous relaie le bilan de la première année de gouvernance de Jovenel Moïse. Parce que Jovenel Moïse, avec tout Guy Lafontaine, premier ministre, il était descendu dans le Parlement, il a dit qu'il allait faire bilan. Premier constat, M. Sarro, par contre, ça crée le bilan. Et ça, on dit, par exemple, c'est menti sur toute la ligne. Alors aujourd'hui, au nom de la vérité, nous venons présenter à PIA le document relatif au bilan de la première année de gouvernance de Jovenel Moïse. Nous prenons le well, ça que là-dedans. Je vais présenter nous de façon rapide, bien de façon lapidaire. Premier bilan
nous capables de faire, qui sont catastrophes, c'est sur le plan économique. Pendant l'année qui s'est passée, Haïti produit une croissance économique de 1,2%, alors que la population accroît de 1,5%. Cela veut dire que la croissance économique que nous avons produite pour cette année est nulle, avec une négativité que de moins 0,3%. C'est une catastrophe. Et pour la première fois pendant 10 ans, nous avons une croissance économique qui est aussi bas. Et c'est ça que fait tout économiste dans le pays. Il a dit définitivement, pendant la première année de pouvoir de Jovenel Moïse, le pays a vu plus pauvre, la population a vu plus appauvrie. Et sur le plan économique, nous avons constaté toute grosse décision que Jovenel Moïse prend, il prend un avantage pour les gens riches. C'est le président des riches. Décision qu'il prend pour les ouvriers, 3 d'aucuns ont demandé 800 gourdes. Il a banalisé les revendications des ouvriers de la sous-traitance. Là encore, son décision qu'il prend pour faire les gens qui riches plaisir. Décision qu'il prend pour augmenter le prix de gasoline dans le pays, alors que l'heure de la campagne, il te dit que les gens qui montent le prix de gaz sont criminels. Là encore, il prend une décision ça pour mettre l'argent dans la poche des gens qui sont riches et puis pour craser les gens qui sont pauvres. Décision qu'il prend pour présenter un budget dans le Parlement, pour faire majorité coupion l'adopter. Budget, côté yon dit, moun ki pauvre, moun ki nan classe moyenne a payé taxe, moun ki riche pas payé. Là encore, ça a été une décision prise dans l'intérêt des riches et contre moun ki pauvre. Décision le prend pour le prendre 123 millions de dollars américains de contrat et que de façon et suspecte, li ba li a 3-4 moun ki te finance campagne li. Là encore, son décision économique li prend nan avantage moun ki pi riche yo. Il prend contre peuple là, contre monde qui pipote. Nous dit que Jovenel Moïse, c'est un nec tout qui trahit les valeurs de la nation. Il a été en France, la tête inclinée vers le bas, comme un esclave mental, pour dire à son patron, je me suis ramené, voilà l'esclave qui s'est ramené. Son esclave mental, son rien du tout, c'est un minable. C'est un petit, c'est un homme à faible conscient intellectuel, c'est un méprisable. Et qui ça a fait? Il a exploité, il a volé tout l'argent pays. Et pour un petit groupe de monde, nous dit, dans le secteur démocratique là, nous pas d'accord que 5% de monde dans le pays a 95% de richesse pays dans le pays. Et puis c'est eux qui ont fait et défait. Nous pas d'accord. Ils ont mis le président de la chambre des députés. Alors nous connaissons qu'il avait battu. Le père Jean-Jus, hein? il faut le rappeler. Hein? Pour l'histoire et pour la vérité, hein? Et n'a tout demandé justice pour père Jean-Jus. Ils mettaient vice-président, ils mettaient moun tout partout. C'est comme si son petit clic moun qui a dirigé le pays, qui a pris tout comme pays, qui a volé tout l'argent pays. Et puis nous, toute masse peuple, nous dans misère, nous dans grand goût, nous dans chômage. 960 millions de gouttes pendant la fête fin d'année ont débloqué. Et puis, ça nous est, c'est gros ap de Noël, Fatra qui gagne, moun pa ka marché avec Fatra, moun pa fête, pa gen yon moun nan quartier populaire qui veut bon petit soupe, qui veut manger, parce que Fatra envahi yo, et nous est salpoté. Nous dit nous pas d'accord. Et c'est ça que fait Nap dit. Tout le monde qui est clair sur ça, nous pas nan moun kap voye monte, kap parle au nom de peuple. Cap dit bon discours, cap dit que nous avons 500 jeunes qui ont pris le Chili, qui ont pris le Brésil, et puis on prend cob dans mes secteurs privés, on prend cob dans mes boulos, on prend cob dans mes APED, on prend cob dans mes Jovenel, et puis on vient chita là dans le secteur démocratique et populaire pour avancer. Nous demandons une unité, mais une unité sans coquin. Nous demandons une unité sans hypocrisie. Nous demandons une unité pour nous parler de peuple. Pour qu'on est capable de bluffer peuple avec parole. Mais nous travaillons pour peuple à sortir côté hier. Et nous, dans le secteur populaire et démocratique, là, nous disons le 22 janvier, nous pourrons faire une marée humaine dans la rue pour nous dire, même si nous écrasons l'élection 22 janvier, nous pourrons dire Jovenel Moïse qui sont produits élections frauduleuses pour le bail talon. Et mon dos là, est clair. Nous ne pas demander de changer le gouvernement. Nous ne pas demander ajustement. Nous avons demandé un bagage, déboulonner Jovenel Moïse.
par Jovenel Moïse Alain. N'a dit tout le monde, n'a dit tout le monde, nous pas dans monde qui gagne ni un discours à droite ni un discours à gauche. Discours nous en clair. Système ça, qui sont système d'exclusion, pesé sous ce, et qui m'a connu avec Jovenel Moïse qui c'est un esclave mental, nous voulons chavirer, réchaudir ça, faut que ni système non, ni Jovenel Moïse allez le plus tôt que possible. Merci. Et nous tendez Jovenel dit, sous question corruption, pas gagné question procès Petro-Caribe qu'a fait. Il pas qu'a fait tout. Il pas qu'a fait parce que c'est même eux même qui étaient dans la question Petro-Caribe. Je dis, les n'a demandé pour nous craser le système. Système ça qui prend naissance après assassinat en prière, assassinat Jean-Jacques Dessalines. Depuis la nègre fin assassiné en prière, ils mettent un système anti-peuple. Ils actualisé en 1915 avec un l'armée anti-peuple. Et je dis, Jovenel retourne avec l'armée ça encore. On l'armée pour contre lui. Les balles potées dans l'armée, mais ce n'est pas l'armée. Son milice, son groupe net PHTK qui est habillé et qui est amené dans le il a préparé pour prendre l'élection encore dans le même. Nous avons dit, monsieur, ça, nous pas dans l'élection avec vous. C'est quitter pour quitter le palais national. C'est bailler pour nous une chance pour nous refaire un système qui va permettre de retirer le peuple dans la boue côté lui. Et c'est ça que fait camarade André Michel. So, dis-nous, opposition unifiée, la travail pour nous un document. Pour nous faire un discours qui unit tout le monde. Nous pas quoi. C'est un grand monde qui a sauvé la nation. Ça. Nous plus quoi, c'est une idée, un discours. Côté nous, tout le monde retrouver nous ensemble pour nous sauver la nation. Et c'est dans ce sens que nous allons demander unité autour des discours. Ça. Si on ne pas dans le discours, c'est qu'on n'a pas le national. Si on ne pas la mobilisation au marché, c'est qu'on n'a pas le national. Nous, aujourd'hui, chaque nègre a fait des bagages sous côté pour bouiller l'esprit peuple là. N'a pas demandé peuple là, son peuple intelligent. Il s'est montré ça là. Les peuples marchent dans un mot d'ordre qui n'est pas clair. Les peuples marchent dans un mot d'ordre qui n'est pas ramassé revendication. Et m'a demandé la population pour rester vigilant. Camarade André Sodil et camarade Chile Sodil, 22 janvier. Son nouvelle date dans l'histoire. Nous. Et nous avons demandé à la population pour mobiliser. Mobiliser par rapport avec un bilan d'échec. Nous avons des documents dans nous. Nous avons constaté échec pour voir ça. Je ne dis pas à ce désespoir qui envahit toute famille. Nous ne sommes pas capables de rester dans le désespoir. C'est pour 22 janvier. Population sortie. Cette fois-ci, nous ne pouvons pas sortir pour nous mettre un gouvernement qui pouvait nous faire jouer pour remettre PHTK à pouvoir encore. Nous pourrons rapatrier l'État pour permettre que nous aboutissions à sa réunion conférence nationale souveraine. Et pour permettre que le peuple, une fois pour toutes, sorte dans sa ville. Les forces populaires ont profité, annoncé à la population haïtienne. Premier congrès qui a fait dans la date 5 février 2018 dans le gymnasium Vincent à 10h AM. Thème congrès, c'est caravane changement, c'est caravane solidarité populaire. N'a pas dit bien, caravane changement, c'est moyen qui permet au gouvernement et population de jouer une solution à problème pays ensemble dans la solidarité. N'a pas dit bien, caravane changement, c'est moyen qui permet au gouvernement créer plus de travail pour le peuple là et réduire taux de chômage là. N'a pas dit bien, caravane changement la permettre politiciens yo, parti politique yo, organisation yo, chita ensemble pour jouer une solution pour démarrer pays là. Sans nous pas oublier promesse que président Jovenel Moïse fait dans la campagne pour intégrer secteur populaire à 30% en dans pouvoir là. Pour finir, n'a pas dit vive caravane changement solidarité
Vive unité, bataille, unité, force populaire. Vive Haïti, vive yon demain meilleur. Merci. Dans la situation pays là, par rapport au changement climatique, je nous vois la nature triste. Nous avons besoin de gens qui font une grande réflexion pour permettre de renforcer la capacité de développement du pays. C'est dans ce sens que nous profitons de dire avec tous les leaders de quartier populaire. On nous profite toujours de mettre des barricades, pas quitter l'opposition à la tchonne, dérouter nous sur nous. Au contraire, par rapport à la vision du président, nous supposons mettre nous ensemble pour nous atterrir avec la vision du président. Et nous avons dit encore, nous invitons Jean-Ramadas au Dien. Nous avons tout le monde dans le congrès secteur populaire qui a fait 5 février dans le 19 Vincent. Et puis, nous demandons avec toute base, toute organisation populaire, pas oublier 7 février qui se caravane de changement dans tout le coin pays. Merci beaucoup. Et nous profitons de l'occasion de ça pour nous remercier la presse. Merci beaucoup. Haïtiens qui vivent dans la diaspora, on arrive sous nous. Grâce à un nouveau.